Wesh les bots, c'est Mac, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à l'Euro 2024. Et aujourd'hui, on est à Gelsenkirchen, les gars, pour voir un match qu'on attendait depuis longtemps. Et vous avez compris, les gars. On va avoir Géorgie-Portugal avec normalement la présence. Cristiano Ronaldo. La présence de CR7, les gars, ça peut être incroyable. Bon, il y a les chiens qui vont m'attaquer là, je vais m'éloigner parce que ils font peur. En tout cas, les gars, match particulier puisqu'on sera en prime seat, donc place à 400 €, juste au bord du terrain normalement, au niveau du rond central. On aura une vue impeccable, j'ai hâte de voir ce que ça donne et faire la comparaison avec des places un peu moins chères comme c'était le cas pour la Belgique. Les gars, on se retrouve devant le stade, c'est parti! Ça y est les gars, on y est, on est juste devant. Ah, le stade est particulier, hein. Franchement, vu de l'extérieur, on dirait même pas un stade les gars, c'est trop marrant. Ouais. On dirait, comme t'as dit, une piscine. Ouais, c'est vrai, c'est tout. Mais il a l'air quand même massif, tu vois, puisque là on est un peu surélevé par rapport à lui. Franchement, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble à l'intérieur, les gars, c'est le stade de mon enfance, hein, je vous le dis. Hein. Quand je joue à FIFA, je faisais un mode carrière avec Schalke pour ce stade. Hein. Donc là, je suis content, pressé de rentrer à l'intérieur. Ça y est les gars, on a passé la sécurité et la place à valider, et ça c'est beau. Ouais. Ça nous rassure à chaque fois les gars. Et les gars, je vous jure, je suis choqué du nombre d'étrangers qu'il y a, dans le sens où il n'y a vraiment pas que des Portugais. Mais on est très loin de que des Portugais ou que des Géorgiens. Il y a de tout les gars, je suis choqué. Et du nombre de maillots de Cristiano Ronaldo. Ah ouais, tout le monde a un maillot floqué Cristiano aussi, c'est une dinguerie. C'est pour dire la puissance du mec, hein. Franchement c'est impressionnant. Mais on est où là? C'est une dinguerie, non? C'est trop marrant. Là-bas, on est là-bas, nous. Oh les gars, le stade est sublime, hein, vraiment magnifique. Franchement, je suis choqué. T'as vu le stade ou pas? Ouais. C'est impressionnant. Ouais. On a aucun vent, les gars. On dirait qu'on est dans un gymnase. Ouais. On est bien protégé du soleil aussi, donc ça va être énorme. Allez, on va à notre place. Comme ça, on regarde où est-ce qu'on est placé par rapport au terrain. Est-ce qu'on sera bien proche de lui? Un avis à chaud, Postos? Bah très bien. Très bien, très bien, mais bon, on est quand même plus loin que nos places à 30. Ah ouais, c'est vrai que pour le match de la Belgique, les gars, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs. On était beaucoup plus proche pour 30 €. Ici, là, n'oubliez pas, on a payé 400 € et il y a un trou entre nous et le stade. Les joueurs géorgiens qui sont en train de rentrer, les gars. Et le côté géorgien qui est en train de faire du bruit. Les gars, le stade, il est encore assez vide. Le match commence dans 2 heures à peu près, ce qui est normal. Et on a hâte de voir les joueurs portugais. Le bus est en train de se garer devant. On va les voir venir sur la pelouse et voir comment le stade va réagir. Mico, Mico, Tadé. Quel délire, les gars. En fait, tout le monde est venu voir une seule personne ici, hein, vraiment. C'est dingue les gars. Et même la mascotte, elle est cri-cri les gars. Même les géorgiens sont cri-cri. Là, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Moi, je l'ai trop dit la dinguerie, mais là, je suis obligé en même temps. Des joueurs de la Géorgie, les gars, dans une ambiance de dingue, hein. Vraiment, les Géorgiens vont être à fond. Ils peuvent encore se qualifier s'ils gagnent aujourd'hui, les gars. Franchement, c'est possible, hein. Le Portugal est déjà premier du groupe, donc il y a quelque chose à aller chercher pour la Géorgie, les gars. Ça nous fait plaisir pour Mico Tadze. Ouais. Ouais. Ouais, franchement, si Cristiano y gagne et que Cristiano y marque et que la Géorgie gagne, ouais. Ça serait pas mal. Ouais, c'est full bénéf, les gars. Et franchement, l'ambiance risque d'être folle. On sera pas dans un COP cette fois, mais on sera spectateur un peu des deux COP, ça risque d'être sympa. On est dans le COP de Cristiano. Ouais. Oh les gars! Oh, oh les gars, c'est fou, c'est fou! On a une photo choquée, on était obligé de se lever!
Cristiano Ronaldo devant nous, les gars. Quelle dinguerie. Tout le stade est là pour lui. Les gars, ça fait quand même quelque chose, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Je suis depuis tout petit, c'est réellement le GOAT pour nous, les gars. Il est sous nos yeux, c'est vraiment un rêve. Hein. C'est vraiment quelqu'un. Ah, les gars, ça va être une vidéo émotion. Ah, Faustos. Mais en vrai, je fais le mec, même aussi, les gars. Les gars, je suis trop content, vous pouvez pas vous imaginer. Incroyable, les gars. Et il a rien perdu de sa jeunesse. Hein. On dirait qu'il a 20 ans. Regarde sa souplesse. Quelle souplesse. Les gars, ça va bientôt être la composition du Portugal. Les gars, on a vu un peu le groupe de départ, c'est l'équipe bis, mais il a laissé Cristiano, les gars. C'était pour nous, vraiment. Il s'est dit, il vient au stade, on va pas les descendre. Ah ouais, parce que mis à part lui, c'est vraiment l'équipe B. Bon, João Félix est titulaire, mais il fait partie de l'équipe B, les gars. Mais nous, ça nous suffit, vraiment, on va pas se mentir. Incroyable, les gars. Number 22, Leon. Les gars, on s'est même pas entendu pour son annonce, c'est une dinguerie. Les gars, on va profiter de ce temps mort pour faire les pronos de Faustos. Et cette fois-ci, il n'y aura que nous deux, les gars. Donc, Faustos, quel score vois-tu? Là, je vois 3-2 pour le Portugal. 3-2, ah ouais, ce sera incroyable. Avec un triplé. Et les gars, à chaque but qu'il met à l'échauffement, ça crie. Hein. Donc, en match, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Moi, je vois plutôt un 2-1. 2-1 pour le Portugal. Moi j'ai triplé, Christian. Triplé, bah écoute, on verra. 2-1, 3-2. Qui aura raison? Sûrement pas nous parce qu'on est nuls.
tout cas les gars, le stade est clairement géorgien, hein. En tout cas de notre côté on n'entend que les supporters géorgiens, et c'est une fusée, hein, je vous le dis. Hein. Alors là les gars, il y a Coco Cristiano. Et là on l'entend dans le stade, on est fou. Et on voit un but de CR7 aujourd'hui les gars, vraiment. Oh, il a un pétard à la place du pied. Oh, oh j'y ai cru, putain. Les gars, j'y ai cru, il est à la retombée, il lui a enlevé. Aïe, aïe, aïe. Ah, il lui a enlevé, il lui a enlevé. Il était pas content d'ailleurs. Ça se précise les gars, ça se précise, mais attention, ça réclame un penalty les gars. Ah je suis pas sûr. De toute façon il y a la VAR les gars, mais ça a pas l'air. Il y a pas penalty, ça continue les gars. C'est la 27ème minute. C'est la 27ème minute de jeu et toujours 1-0. Géorgie est en feu, franchement, tous les matchs de la Géorgie ont été plaisants à cet Euro, les gars. C'est un réel plaisir de les voir jouer. Ils jouent avec le cœur, vraiment. Oh, oh non, 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 putain, les gars, ça chauffe. À chaque fois, on y croit. Tout le sale vers sous. C'est un match de fou, trop plaisant à regarder. Et voilà les gars, c'est la mi-temps, mais vous entendez ce bruit, c'est la ferveur géorgienne les gars. La ferveur géorgienne, c'est fou, c'est comme s'ils étaient sur le terrain. Il est fou ce pays. Et pour l'instant, ils sont qualifiés en 8ème de finale pour la première fois de leur histoire les gars. Je comprends pourquoi ils sont comme ça, tu vois, vraiment. En vrai, ça me fait plaisir qu'ils soient qualifiés, c'est trop mignon. Ah ouais, c'est incroyable. Incroyable à vivre, les gars. On se retrouve pour cette seconde mi-temps et on espère que ça sera le même spectacle, hein, vraiment. C'est un but de cri-cri, hein. Ouais, évidemment, on l'attend celui-là. Marina ! Allez, plus 45 minutes pour le Portugal, là, qui doit marquer, même passer devant pour rester invaincu dans cette compétition. C'est ce qu'ils veulent, je pense. Il le veut ce but, il le veut. On bat encore plus de records. Moi aussi on le veut. Mais attends. Oi. Et là les gars, il y a peut-être penalty, peut-être la VAR, mais ça part en contre-attaque côté Portugal. On va voir s'il coupe pas le jeu pour vérifier ça, hein, vraiment. En plus le joueur qui reste au sol, et ça continue. Oh là là. Mais quel
l'arbitre, il va checker la VAR, mais les gars, c'est quoi ce match de fou? Sûrement un penalty pour la Géorgie là. Ça on check les gars. Vérifie ça. Oh le bordel les gars, je vous jure. Wow. Imaginez-vous, 2-0 pour la Géorgie, ça serait une surprise de malade. Et là ils explosent. Il va voir la barre les gars. Il va voir la barre. Oh. Et les gars, quel bordel. Penalty pour la Géorgie. Ah c'est la folie hein. Ils vont passer en 8ème les gars. Quelle folie, quelle surprise! Et les gars, c'est Nico Tadze qui va tirer le penalty pour son 3ème but de la compétition, imaginez-vous! C'est le meilleur buteur! C'est le meilleur buteur! Ah ouais, ouais, ouais! Incroyable, les gars! Moi, j'ai pas yo, hein, c'est un autre, mais. Aïe, aïe, aïe! L'ambiance des Géorgiens, c'est du délire, vraiment. Je vous promets, les voitures. Gonzalo Ramos, on va voir s'il apporte plus parce qu'il a vraiment eu du mal, hein. il avait du mal, on va pas se mentir. Pour l'instant, exploit de la Géorgie, les gars. Énorme exploit. Mais franchement, ils sont en feu, les gars, en feu. Hein. Il aurait mérité de la mettre, vraiment. Je pense qu'ils marqueront pas aujourd'hui, hein, vraiment, ils ont du mal devant les cages. Hein. Ils sont pas. Non, ils sont pas du tout les gars. Mais tant mieux, ça permet à la Géorgie de passer les gars. Et ça c'est historique. Voilà les gars, 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes pour la Géorgie, il faut tenir. Je pense que ça va le faire. Et ils vont se qualifier pour les 8e de finale pour leur première participation. C'est incroyable. Ils arriveront jamais à marquer. Aujourd'hui c'est pas leur jour, c'est le jour de la Géorgie. Hein. Oh. Elle sent bien abusée, elle sent bien abusée. C'est irrespirable. Ah ouais ouais ouais. Putain, ça ne devra jamais rentrer. Il y a un aimant qui repousse le ballon à l'extérieur des cages. La Géorgie qui passe en 8ème de finale et c'est la folie là-bas, incroyable!
aller. Quelle folie. Wow. Quelle fête les gars, quelle fête hein. C'était un match vraiment plaisant à voir les gars. Wow. Un Portugal qui n'a pas été réaliste. Un CR7 qui n'était pas vraiment au fort, bon, après voilà, il est un peu sur la fin, on est venu lui dire adieu entre guillemets. Mais les gars, c'était un plaisir de vivre ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et on se retrouve pour le dernier match de la saison, le dernier match de l'Euro pour nous, France-Belgique à Düsseldorf, lundi prochain les gars. Ça va être énorme. On aura vécu des matchs de fou les gars. Vraiment. Allez les gars, on se laisse ici, cette célébration. Ciao les botches.